Salut à tous et à toutes, c'est la fin du fils, on se retrouve sur une petite vidéo donc en compagnie de Yannis Cosmo et le prophète. Là les gars, je vais vous montrer déjà un peu ce qu'il y a de début du DLC Noël. Vous pouvez voir là j'ai une tenue. Vous allez dans. Je trouve déjà. Ah non, c'est pas ici, attends. C'est là-dedans carrément. Donc vous allez chez la madame. Vous descendez, vous allez dans tenue combinaison, pardon. Et hop là, vous avez le lutin rouge, le lutin vert, le Père Noël, le palais d'épices foncé, palais d'épices clair, le renne et le renne. Alors aussi, ce qui est cool avec cette tenue là, c'est qu'en fait, regardez, vous faites style, vous descendez, 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 habit illuminé, genre je peux faire avec, vous voyez, en fait, ça fait clair. Donc je me suis nettement moi. Donc personnellement moi j'ai pris le renne foncé, le lutin rouge et voilà quoi. Donc là je vais essayer d'aller voir, de ça j'ai pas encore vu et de voir s'il y avait déjà les masques. Je vais aller voir ça tout de suite, je vous dis ça tout de suite. Vous allez me dire pourquoi vous avez tapé cette voiture et tout. Bah je sais pas, je la trouve stylée, enfin pas stylée on va dire, mais bon, elle dérape assez bien quoi, du coup j'ai préféré la garder. Bah non, en fait elle dérape, justement elle dérape trop, mais vous tous les véhicules. Après voilà quoi, c'est pas mon véhicule principal, c'est la Sultane. Ça à base je l'avais pris hier vite fait parce qu'il était comme ça. Et tu imagines pour un véhicule qui dérape, je l'ai pris voir dans la rue. Et j'ai vu qu'elle dérape à fond, du coup je l'ai pris. Mais justement elle dérape trop, c'est le problème. Ça c'est pas assez, ça c'est trop, donc c'est un peu chaud. Oh c'est bon, les flics ils sont plus là, allez hop. C'est quoi que tu tires en main toi, café? Une de ses têtes quand même. Et merde, je vais me faire repérer. Donc là j'essaie de m'enfuir des caisses. Donc voilà voilà. Attends parce que là les caisses vont me cramer total. Mais oui allez, j'ai une course les caisses. Je savais où je suis. C'est nickel. Ils vont dans l'autre sens. Regardez, il fait demi-tour et tout. Nickel. Donc là, j'ai plus de trucs, donc on va pouvoir aller voir tout de suite. Donc on va regarder ça tout de suite, personnage. Donc c'est toujours le même hein. Ok, clown. C'est pas dans clown, d'habitude c'est dans Noël ou quoi, non? Y'a pas un nouveau truc. Je crois pas que ce soit déjà encore là. Clown culture. C'est culture, non? Il a l'air de rien avoir là-dedans. C'est bizarre. Bah festivité peut-être, non? Ouais voilà, festivité les gars. Donc dans festivité les gars, il y a le lutin, les trucs. Donc personnellement les gars, ils sont tous gratuits. Donc je vous conseille vraiment de les acheter. Moi c'est ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. C'est pas perdre de temps, hop là. Mmh.
Par contre, le lutin avec une cigarette dans la bouche, tu vois, c'est pas vraiment la fête de Noël, là. Ok, c'est vraiment la dette, quoi. Merde, j'ai fait une connerie. C'est une boulette. Merde. Fuck. Voilà. Festivité. Gâteau sombre. Ça peut festif violet carrément, quoi. Et ils sont partis loin, là, les gars. Rockstar, les gars, il est parti loin. Règle la clinique, déjà, elle est chelou. Et puis, en plus, oh non, le Père Noël dégoûtant, mais sérieux, les gars. Ils sont partis loin, les gars. Ah, voilà, ça, c'est... Ah non, amoché. Oh ouais, mais... Eh, gros. Ils ont pas respecté Noël, là, les... Ça, sur moi, il y a au moins un Père Noël propre. Ah, voilà. Ça, les gars, c'est le Père Noël qu'on connaît. Donc, personnellement, je vais mettre la tenue. Et donc, style. Lutin, Père Noël. Avec, si je peux, accessoires, masque, Père Noël. Oh, fait chier, je peux pas. Bon, bah alors, du coup, je vais aller me faire ma propre tenue. Hein. Le prophète, il y a les masques de Noël, ouais. Si tu veux. Il y a les masques de Noël, ils sont gratos. Je vais aller faire une tenue parce qu'en fait, tu peux pas mettre la tenue de Noël comme on a avec le masque. Du coup, faut trouver encore les autres tenues. Du coup, je vais aller vite fait check. J'espère qu'il fera aussi noter les festivités, comme ça sera plus simple pour nous deux, pour nous tous de trouver. Hein. Du coup, comme ça, les gars, en même temps, moi je découvre en même temps vous. Déjà, je savais même pas qu'il y avait déjà les trucs de festivités. Du coup, ça veut dire que la neige va pas tarder à arriver, les gars. J'espère qu'elle va arriver assez vite. En même temps, on l'espère tous, mais bon. Bonjour, madame. Il me faudrait pas des lunettes, mon bel écrit des lunettes. Moi, il me faut une tenue de festivité, s'il vous plaît. Le rider classique, c'est Valentin sexy. Ah, voilà. Une tenue de Père Noël. Donc là, les gars, vous avez costume Père Noël dégoûtant. Du coup, perso, je vais prendre le Père Noël dur à cuire. Voilà. Hey, gros. Il y a le tenue de Père Noël aussi. Ils viennent de rajouter, je crois. Hop là, et je vais la mettre à la place de... Halloween. Donc c'est plus Halloween. Donc là, je vais mettre Père Noël. Père Noël. Après, les gars, il y a peut-être... Je sais pas du tout s'il y a d'autres trucs que de Père Noël. Donc je vais regarder ça tout de suite. Extermination, braquage urbain, combat lourd, louche, tactique, rebelle. Non, non, non. Tenue festive. Ah, voilà, c'est les tenues festives. Donc là, les gars, vous avez le fameux lutin, comme on connaît tous. Moi, franchement, les gars, je crois qu'en fait, je vais enlever la tenue de... Ça me rappelle toute mon enfance sur PS3. Du coup, je vais rajouter ça, moi. Sur PS3, il y avait exactement les mêmes tenues, en fait. Du coup, je préférerais mettre ça. Je vais laisser Lutin. Voilà, alors, désolé les gars pour les gros mots. Pyjama rayé. Non, je vais pas mettre pyjama rayé, pyjama rouge. Et je vais remplacer par un ossin. Pyjama Noël. Donc les gars, n'hésitez pas, les gars, c'est gratos, donc mettez vraiment tout ce que vous pouvez. Voilà, alors maintenant je vais retourner là-dedans. Festive. Tenue festive. Alors je vais tout acheter, évidemment. Comme ça, si je veux changer au cas où, je l'aurai toujours tenue de luxe. Ouais, non, c'est nul ça. Tenue de Père Noël, je vais acheter aussi, mais je vais laisser ma tenue avant. Tenue Saint-Valentin, le rider, finance, moto, boulot, bobo. C'est quoi ça? Ah, c'est de nouvelles tenues ça. La couchou, Nightblade, Manchaise, Padieu, Zombie. Tenue retourne en living. Ouais, moi je trouve qu'ils avaient pas abusé, je trouve, quand même, pour les tenues. Ça aurait coûté trop cher, quoi. Regarde ça, retour à la ligne. Attends, retour à la ligne.
Elle coûte 190 000, la tenue. Toi, c'est chaud. Bref, les gars, donc voilà, style. Je vais mettre pyjama manuel, lutin. Je vais laisser lutin, hein. Ça va mieux. Les gars, donc il y aura live toupé la Noël et à Nouvel An. Donc je compte vraiment sur vous les gars pour être présents. Moi les gars, je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ouais, c'est tout pour cette vidéo les gars. Ciao, ciao.